Bienvenue dans ce nouveau Vlogtober. Nous sommes samedi 5 octobre et je suis ravie de vous retrouver ici après une journée sans vidéo, donc le vendredi. Donc là, nous sommes samedi. Je prends le temps de filmer en même temps que je monte la vidéo que vous aurez ce soir à 18h. Merci beaucoup pour tous vos messages sous le dernier Vlogtober. Je pense que je prendrai le temps de noter les questions et d'y répondre dans le prochain Vlogtober. Je pense que ça sera plus simple comme ça. J'espère que vous avez passé, que vous passez un bon week-end. Parce que moi, ça y est, je suis en week-end là depuis 13h. Le temps de rentrer, de faire un peu de ménage parce que bah on n'y échappe pas. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Un petit peu de rangement, un petit peu de cuisine. D'ailleurs, je pense que je vous aurais mis des petites vidéos des mousses au chocolat que j'ai préparées pour les garçons pour ce week-end. Alors, c'est des mousses sans œufs. Moi, c'est très simple. C'est comme la mousse du 3 chocolats, je crois. Gâteau que je faisais souvent avant. C'est simplement de la crème. C'est un peu comme une ganache, mais aérienne. C'est de la crème liquide entière que je fouette au batteur électrique. Et après que je mélange à la spatule délicatement à du chocolat noir fondu. Et c'est tout. Je mets pas de sucre, je mets pas d'œuf, voilà. Et c'est comme ça qu'ils aiment bien la mousse au chocolat. C'est super simple. Faut juste bien faire attention aux températures au début parce que si on met le chocolat trop chaud dans la chantilly chaud-froid, le chocolat il fige et la chantilly elle aime pas. Et voilà. Et puis je pense que je vous mettrai aussi un mini vidéo de quelques secondes parce que j'ai enfin j'ai fini mes chaussettes. Vous l'avez vu, je vous l'ai dit hier, je crois, enfin avant-hier. Et ça y est, là je les ai mises à tremper dans une bassine avec un petit peu de lessive, de l'eau à peine tiède mais pas froide. Et puis là elles sont en train de tremper et puis je vais les mettre à sécher tout à l'heure et j'espère qu'elles vont pas trop se détendre. Ça serait trop bien. Voilà. Voilà pour le programme de cet après-midi, ce que j'ai fait. J'ai pas eu du tout le temps de tricoter. J'ai tricoté un peu hier soir devant la télé. Je vais vous montrer. Au final, j'avais prévu de prendre le pull occulte et puis j'avais trop envie de continuer mon gilet. Donc j'ai avancé sur le gilet et puis j'ai trouvé une espèce de technique pour placer mes œillets bien au milieu. D'ailleurs, quand je me réécoutais, quand j'ai monté ma vidéo, je me suis dit, oh la lourdeur avec ces œillets, j'espère que je vous ai pas trop, que j'ai pas trop rasé avec mes œillets. Mais vraiment, j'étais perdue dans mon patron et donc je me suis dit, il faut demander de l'aide à la communauté tricot, il n'y a pas. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long ce petit passage. Finalement, je me débrouille pas mal, j'ai bien relu et je crois que vraiment il faut ajuster avec les augmentations et puis voilà, là j'ai bien avancé, ça avance vite avec de la laine un peu plus grosse et puis des aigus en 3,5. Donc c'est chouette parce que c'est motivant. Je vais vous montrer ça. Et puis sinon, là j'étais en train de travailler sur, pour une fois que j'ai du temps, sur mes sacs et j'en ai fini deux. Je vais vous montrer quand même les deux là. Et puis mes bouillottes, j'ai fini trois housses. Alors ça, je me les garde pour un autre jour. Et puis je vais vous montrer aussi un deuxième encours abandonné depuis des mois, on va dire, que je me suis promis de ressortir et de tricoter cet hiver. Y a pas, il faut que quand même que je l'avance et que je le termine parce qu'en plus, il est joli quoi. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai laissé de côté. Désolée si je coupe un peu plus souvent, mais je sais pas, je pense que ça se verra peut-être pas.
J'ai un petit peu le rhume, bah, ça va, mais je sens que ça commence tout doucement à monter. En fait, bah, je vous avais dit, mon fils est un peu enrhumé. Alors, je m'étais dit, bah, il va bien dormir cette nuit, puis ça va aller mieux. Et là, il commence à avoir la gorge qui pique, il commence à tousser. Je lui dis, ah, ça sent pas bon. Donc là, c'était miel de thym. Bon, il n'a pas de fièvre, donc ça va. Miel de thym, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait un chocolat chaud, enfin des trucs pour essayer d'adoucir la gorge. Mais j'espère que ça va pas se finir chez le médecin parce que qu'est-ce qu'on a pu y aller chez le médecin pour lui? Et bon, ici c'est un peu plus compliqué pour avoir des rendez-vous médicaux qu'à Nancy. Donc voilà, je croise les doigts pour que ça passe aussi vite que c'est arrivé. Et puis bah, que je ne sois pas non plus malade. Parce qu'à chaque fois, ça tombe le week-end, vous remarquerez ça. À chaque fois, c'est le week-end qu'on peut profiter et non. Il y a un rhume qui vient se coller là-dessus, avec la migraine qui va bien, le nez qui coule, voilà quoi. Bref, donc voilà, je suis quand même venue, je tenais quand même à venir filmer ce vlogtober. Donc. J'ai ma boîte de mouchoirs. De temps en temps, je coupe pour me moucher. Et puis voilà. Allez, on commence. Donc, par bah, mon gilet. Vous inquiétez pas, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, mon gilet Anna. J'avais mis un petit marqueur. Alors, j'ai pas de. Alors, non, je commence pas à partir dans tous les sens. Je me calme. Donc, j'ai pas de stopper d'aiguille, de maille. Alors qu'il n'y a pas longtemps, je me suis acheté. Alors, j'avais fait une commande sur Temu pour tout vous dire. Alors que je ne sais pas comment on dit, je ne connaissais pas ce site. J'ai jamais commandé là-dessus. Je voulais juste voir si les fournitures tricot et couture sont intéressantes. Parce qu'il faut dire que niveau prix, ils sont imbattables. Mais je voulais savoir si la qualité était au rendez-vous. Alors, bon. J'ai acheté du passepoil, j'aime autant vous dire que ben il me plaît pas trop. Alors après c'est peut-être moi parce qu'il faut vraiment bien lire les. Faut vraiment bien lire la description des produits, je pense, pour pas avoir de surprise. Mais j'avais juste pris ça et j'avais pris. Ça par contre, bah oui, ça vaut le coup, hein. Une petite boîte de plein de. Ah oh, alors. Debout depuis 4h30, hein, comme d'habitude. Et franchement, je vois la différence entre les journées où je suis en repos et que je me lève plus tard et les jours où je me lève à 4h30, où des fois je cherche mes mots, j'ai plus de mémoire. Donc, des anneaux marqueurs. Alors là, c'est une petite boîte. Oh, j'ai dû payer ça, je sais pas moi, 3-4 euros, même pas. Et bah, il y en a beaucoup. Et de toutes les couleurs. Donc, c'est pas mal parce que j'étais toujours à la recherche d'anneaux. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont des petites ampoules, un peu comme des mini épingles à nourrice. Et c'est super pratique parce que. Et puis en plus, c'est léger. Parce que du coup, vous voyez, hier, j'en ai mis un là. Et je vais pouvoir l'enlever très facilement, quoi. Comme c'est une petite épingle à nourrice. Enfin, moi, c'est ce que je préfère. Après, en marqueur de début de rang. J'adore les petits bonhommes, les trucs travaillés. Là, j'ai vu, je me retiens parce que j'admire le travail de Tessa. Alors, c'est Tessa Collection, je crois, que j'ai découvert. Oh, je sais plus. Si, chez L'eau demoiselle, et elle a fait des petites citrouilles là pour le mois d'octobre. Elles sont magnifiques, mais alors, je me retiens de commander pour l'instant. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est dans le rang, pour marquer la dentelle, tout ça, je trouve que les petites ampoules, elles sont pas mal. Donc voilà, donc hier quand je vous ai laissé, j'ai mis un petit marqueur et le soir j'ai fait ça. Et regardez mes petits œillets. Alors là on voit. Ça va, je trouve ça choque pas. Et là, ils sont bien alignés, je trouve, et bien au milieu. J'ai trouvé un bon rythme, je pense. Voilà. Et alors, vous avez vu un peu, je vous parlais de ça parce que je voulais vous parler des stoppeurs de mailles que j'ai perdus en fait. Et ça y est, j'ai oublié de quoi je parlais. En fait, je voulais vous dire que sur Temu, je m'étais commandé deux petits stoppeurs de mailles. Alors, mais je ne sais pas où ils sont. Des petites.
Des petits renards, parce que j'adore les renards et je trouve que bah, pour l'automne, c'est parfait. Donc j'avais deux petits renards, j'en ai pris que deux pour voir ce que ça vaut, quoi. Bah, je ne les retrouve plus. Donc ce projet n'a pas de stopper. Ça m'embête, mais bon, je vais peut-être remettre la main dessus un jour. Impossible de savoir où je les ai mis. Puis alors, bon, ils sont dans un petit sachet comme ça. Voilà. Mais bon, je vais bien finir par les retrouver. Ça, par contre, il m'avait l'air pas mal. Pour ce qui est des petits marqueurs ampoules, ils sont bien aussi. Après, j'ai vu qu'ils vendaient aussi des videoirs et bobinoirs en plastique. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut? J'ai pas osé acheter. Voilà. Après, c'est sûr que niveau budget, là, on s'y retrouve, hein. Donc voilà, j'ai fait. Alors, que je vous dise pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'ai fait une dizaine de rangs hier soir, tranquillement. Devant Netflix, là, on regarde la série Un couple parfait. C'est pas mal, mais bon, c'est pas un truc non plus. C'est pas mal. Voilà. Je suis contente. Il est beau. J'en suis, je crois, à la 20e ou 19e augmentation raglan. Donc, je suis presque à la fin des augmentations raglan. Et puis, voilà. Donc ça, c'était mon petit tricot tranquillou hier soir devant la télé. Hop! J'ai entamé là la deuxième pelote de Lima. Alors je sais pas, j'ai dû en acheter 8, je crois. Ce sont des pelotes de 100 mètres, 50 grammes 100 mètres. Bon, je pense que j'en aurai assez quand même. Je crois que j'ai même prévu une de plus par rapport au patron pour être sûr de ne pas être à court de laine. Donc ça, voilà, c'était mon petit tricot tranquillou d'hier soir. Je pense qu'aujourd'hui, je vais, si j'ai le temps là tout à l'heure, je vais mettre un petit peu sur mon pull occulte. Et ce qui serait cool, c'est de pouvoir tricoter un peu mon châle demain parce que je ne l'ai pas avancé du tout. Et alors, bah, je vous montre le projet que j'ai laissé de côté depuis des mois et que j'avais commencé il y a longtemps. Alors, j'en redécouvre avec vous. Hein. J'ai pris. Oum, c'est rien, ce sont mes carnets. J'adore les carnets. Donc, j'en ai. Ben, alors, attendez, je les ramasse. Voilà. Moi, j'adore les carnets. J'en ai plein. Donc, voilà, des carnets pour tout. Il y a des carnets pour tout, moi j'aime beaucoup ça et je marque plein de trucs, j'aime bien tout noter pour me rappeler des choses, voilà. Bref, je suis vraiment team carnet. Donc je redécouvre avec vous. Alors je l'avais mis dans un tote bag Jules que j'avais. Ah, on voit que j'ai cousu, j'ai des petits fils de couture partout. Dans un tote bag, hein, puisque j'ai pas assez de sac à projet de toute façon pour tout ce que je tricote, mais là je pense que. J'aimerais vraiment m'en coudre un là d'octobre, enfin d'automne, parce que quand je vois ceux que je viens de finir ceux que je viens de finir, que je vais vous montrer après, et le tissu dont je vous ai parlé dans les précédents Vlogtober que j'ai trouvé à Saintes de chez Atelier Brunette, ça fait mais trop beau. Là, on est vraiment dans l'ambiance automne et le tissu. Il est magnifique, il est bien épais, les sacs, ils ont une tenue. Voilà, je suis trop contente, faut que je m'en fasse un parce que ceux-là, c'est pour vous du coup. Mais je vais prendre le temps de mon coudrin, ça c'est sûr. Donc là, je l'avais mis là-dedans parce que je savais que je n'allais pas y retoucher tout de suite. Donc j'ai tout mis en vrac dedans, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas. Alors déjà, c'était un modèle fil d'art, je peux vous dire, parce que du coup, avant, on était obligé d'acheter les catalogues, alors que maintenant, on peut trouver les patrons à l'unité. Alors, c'était un modèle de l'automne-hiver 2020-2021. Voilà. Ça fait un peu quelques années. C'est le catalogue 195. Et en fait, c'est exactement ce modèle-là sur lequel j'avais craqué. Et j'avais montré à ma tante et je lui avais dit non, mais il est trop beau, faut que je me le fasse. Et ça correspond à ce dont je vous parlais hier, en fait, de ce que j'aime beaucoup, quoi, le jacquard. Hein, on est d'accord que ça ressemble bien à ce dont je vous ai parlé. Donc, ben, j'avais acheté. Non, je crois que c'est ma tante qui m'avait offert le catalogue avec la laine. Et puis, ben,
Oui, c'était en 2020. Alors, j'avais envie de me remettre au tricot, mais j'ai pas eu cette passion-là comme j'ai maintenant. J'avais envie de tricoter, j'avais envie d'apprendre le tricot circulaire. Alors, est-ce que j'ai pas pris le temps ou je sais pas. J'avais pas encore découvert Ravelry, les vlogs, les podcasts tricot, tout ça. J'avais pas découvert tout ça. Moi, je connaissais que Fil d'Art et Bergère de France. Du coup, il n'y avait pas. Tous les jours, moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, tous les jours, je pense tricot. Je pense à ce que je vais pouvoir tricoter dans la journée. Quand je suis au travail, je me dis, bah, c'est cool, quand je vais rentrer, je vais pouvoir tricoter un peu. Enfin, dès que je tricote plus, ça manque, en fait. Et puis, j'adore aller voir les podcasts, les vlogs des autres tricoteuses. Alors, en parlant de ça, là en ce moment, alors j'ai découvert, j'avais déjà vu un peu passer ces podcasts, mais j'avais pas regardé vraiment. Et là, j'ai découvert Éléonore, Fil de Nuages, parce que Sarah, un petit bout de bricole, elle en parlait souvent. Et vraiment, j'adore la personne et ce qu'elle fait. Elle est passionnée vraiment par le tricot, mais vraiment très passionnée. Je trouve qu'elle transmet bien sa passion et elle donne envie, quoi. C'est ça, moi, que j'aimerais transmettre, quoi. C'est ma passion pour ce tricot et donner envie à tout le monde de tricoter. Et Fille de Nuages, pourquoi je vous parlais d'elle? Là là, je pars dans des trucs. Tout ça pour vous parler d'un pull Fil d'Art. Je ne sais plus. Je parlais des podcasts, des vlogs tricot et je disais que j'avais découvert donc Eleonore et que je suis assidûment là, c'est Vlogtober et que je trouve que ce qu'elle fait c'est chouette. Mais alors elle tricote même en promenant son chien. Alors je ne sais pas comment elle fait pour marcher et tricoter. Elle a son tricot dans sa voiture pour dans les bouchons à Paris. Elle est. Enfin. Elle me fait halluciner. Et en même temps, elle est hyper girly, hyper canon. Et elle tricote comme quoi le tricot, c'est pas pour les personnes âgées, quoi. Voilà. Donc, je trouve que ça dépoussière bien le tricot. Voilà. J'aime beaucoup son univers. Donc, si vous connaissez pas, Fil de Nuages, Éléonore. Oh, je ne sais plus. J'ai pas bien compris son prénom. Sur YouTube. Voilà. C'est un petit bonbon. C'est Vlogtober. Allez-y. Alors, donc, on revient à notre pull abandonné. Donc, c'est le modèle. Il est quand même super beau. Hein. Oh, ce serait bien que je le finisse. Le modèle, c'est. Le pull poli. C'est le numéro 20, je crois. C'est un pull fil irlandais et fil Beaugency de chez Fil d'Art. Alors les couleurs, je trouve ça trop beau. Le rose poudré, le blanc, le noir, c'est magnifique. Oh bah d'ailleurs, il y a un gilet trop canon à côté. Moi qui voulais me tricoter des gilets. Alors il y a des nopes, hein. Mais il est chouette. Il y a des modèles pas mal dans ce bouquin. Bon, des fois on ressort des trucs et en fait on est content de les retrouver. Donc le modèle 20, voilà, le pull poli. Donc j'ai dû faire, parce que faut savoir qu'en plus avant quand je tricotais, enfin le peu de choses que je tricotais, parce que souvent je commençais et après je terminais pas, parce que ça m'intéressait pas assez et je donnais tout à ma tante pour qu'elle les termine. Mais je me prenais même pas mes mensurations en fait. Parce que Fil d'Art c'est 34, 36, 38, 40, 42, 44. Et il n'y a pas les mensurations comme maintenant où vraiment les tricots je trouve sont plus ajustés en fonction de votre morphologie. Donc j'ai dû faire la taille 38, 40. Alors il se tricote en aiguille 4,5 et 5. Alors en aiguille circulaire, mais je crois qu'on commence. Le tricot à plat en aller-retour. Alors si je me souviens, parce que vraiment ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Il me semble. Alors je sais plus, là je vois pas. Ça doit être ça. On doit tricoter en aller-retour, je crois. Donc je ne sais même plus où j'en suis. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce fil à poids poil.
Ça, c'est... Oh, c'est emmêlé, hein. Aïe, aïe, aïe. Si je veux le retricoter, je vais avoir un petit peu de démêlage juste avant. Alors, le fil Beaugency, là... Oh oui, c'est bien emmêlé, regardez. Il est très, très, très doux. Mais c'est un fil... Alors, 20% laine, 25% acrylique, 55% polyamide. Ouais, il est emmêlé. Et je crois que... Alors, j'ai seulement... Ouais, voilà. Donc, j'ai tricoté à plat. Alors, en fait... Hop! Donc, j'avais pris les aiguilles chez Filda. Elles sont pas mal. Donc là, c'est du jersey. Donc, en aller-retour. Et là, j'avais à peine entamé le jacquard. Hein. Franchement, j'ai fait deux rangs. Un rang, peut-être. Oh ouais, j'ai fait deux rangs de jacquard. Donc, autant dire que j'ai rien fait. Et puis, une grosse partie, je ne sais pas combien, je dirais 30 cm de jersey avec les côtes. Le fil là noir, il a l'air un peu élastique. Je sais pas ce que c'est comme fil irlandais de chez Fildar. C'est 51% laine, 49% acrylique. Voilà. Bon, la laine, enfin le fil est chouette. Donc voilà, j'ai du boulot. Alors, pour moi, un pull avec un jacquard sur le yoke comme ça, il se tricote de haut en bas, mais apparemment, c'est possible dans l'autre sens. Et je me demande comment on vient après assembler le dos et le devant. Alors là, ça va être... Bah, ça m'intrigue, hein. Je vais peut-être commencer par celui-là, je sais pas. En tout cas, il y a... Donc celui-là est le plus framboise que je vous ai montré hier. C'est les deux encours que j'avais abandonnés donc, de chez Fildar, mais pour lesquels j'avais eu des coups de cœur. Donc il n'y a pas de raison, il faut que je les finisse. Ça, c'est le challenge de cet hiver, c'est de finir les deux encours Fildar. Voilà. Donc on verra ça plus tard, parce que je vais déjà démêler... Cette boulette de fil et puis voilà et sinon bah, ce petit catalogue là il a l'air quand même sympathique. Il y a des modèles pour les petits, c'est des couleurs très pastel, c'est joli. Il y a un plaid. Oh, il y a des chaussettes, des grosses chaussettes torsadées. Il y a un pull à col roulé, écharpe, mitaine. Ah bah c'est marrant ça, parce que justement j'allais vous dire, alors, bon celles-là sont très très simples, mais j'allais vous demander justement, alors attendez, je vais aller allumer la lumière, parce que là je trouve qu'on se voit plus, il fait de plus en plus un sombre. Peu de lumière artificielle, mais il fait de, ouais, plus en plus sombre. Justement, je disais, j'allais vous demander si vous connaissez... un patron de mitaine à me conseiller parce que je n'en ai pas, je suis très frileuse et j'aime bien quand même avoir le bout des doigts disponible pour conduire ou sur le téléphone. Donc là il y a celle-ci, c'est vraiment ce que j'aimerais bien avec le peut-être oui le comment dire aussi une partie sur le pouce. Donc celle-ci, c'est un modèle tout simple. Bon, à la limite, pourquoi pas. Et sinon, moi, j'en avais trouvé deux. Alors, j'ai cherché, mais je sais pas si je sais bien me servir du moteur de recherche de Ravelry. Alors, j'ai trouvé... Non, j'ai pas trouvé. Celle-là, c'est l'une d'entre vous qui m'avait conseillé les mitaines Cloud Burst. Pardon. Qui sont d'ailleurs, oh, pause-mouchage, qui sont d'ailleurs un patron gratuit dans Ravelry, et qui sont, ceci dit, très jolis, mais disponibles en anglais et en allemand.
Alors, pas trop gratuit ou pas, je m'en fiche. Hein. Si vous avez des idées, je prends parce que moi, j'ai trop. Bah, donc, on m'a conseillé ce modèle qui est très beau. Hein. C'est tout à fait ce que je veux. Mais alors, pas trop en anglais, j'ai quand même pas trop l'habitude. Et il y a celle de Emily Louis, pardon, que j'ai aussi trouvée sur Ravelry parce que je me suis souvenue qu'elle proposait un patron, mais je les aime moins. Ouais, je les aime moins. Alors là, je pense que le patron est en français, mais j'aime pas trop en fait comment elle se termine là. J'aime bien là le poignet, mais j'aime moins ici, vous voyez, au niveau des petites côtes pour finir. Je préfère les clous de burst, elles sont plus jolies. C'est vraiment ce style que j'aimerais bien. Ou même, alors là, c'est un patron gratuit aussi chez Emily Louis, j'avais même pas vu. C'est juste que je me souvenais qu'elle a proposé un patron. Et en fait, les Cloud Burst, j'ai vu qu'ils proposaient aussi. J'ai vu que ça existait, mais j'ai pas trouvé de patron. La même chose, mais avec un petit dessin en jacquard sur le dessus. Donc, si vous avez des idées à me proposer, allez-y, parce que je veux me tricoter des mitaines pour cet hiver. Et franchement, je sais pas comment je me débrouille, mais je trouve pas de patron sur Ravelry. Alors quand je tape mitaine, j'ai plein de moufles qui sortent. Du coup, les moufles, non, parce qu'on a vraiment les mains coincées dans les moufles. Puis là, c'est pas pratique. Non, des mitaines. Des mitaines. Voilà. Donc, je vais vous montrer les sacs que j'ai terminés. Donc, aujourd'hui, je filme uniquement dans mon atelier parce qu'il y avait les garçons à la maison. Ils avaient mis de la musique. Il y avait du passage dans le salon. C'est pas comme la semaine où ils sont au travail, au lycée. Voilà. Et là, bon, je n'allais pas leur dire. Non, mais vous descendez pas. Je filme mon vlog. Donc, aujourd'hui, c'est uniquement ici. Mais je vous insérerai les petites vidéos des mousses au chocolat et puis du trempage de mes chaussettes. Alors, les bouillottes, non, je vais vous montrer les sacs quand même. Alors, il me reste juste à surpiquer la petite goulotte de la bande de coulisses pour le cordon et à mettre le cordon. Alors, j'ai fait un modèle en petite taille, donc en taille M parce qu'il y a encore la taille en dessous. En taille M avec le tissu Hocus Pocus là, que je trouve trop beau, avec donc la gabardine Atelier Brunette qui est vraiment un tissu hyper épais, il est doux même, et puis il est vraiment très quali. Hein. Ouais, vraiment, je suis contente. Donc voilà, on est tout à fait dans les couleurs automne, Halloween. Donc je mets le cordon et je prends les photos et je le mettrai en ligne. Voilà, j'ai ajouté ici une petite citrouille en liège pailleté que j'ai d'ailleurs cousue avec du fil métallisé doré. Ici aussi j'ai mis du fil métallisé doré. Là je vais faire la surpiqûre. Et pour l'intérieur, vous avez quatre grandes poches avec donc le tissu qu'on retrouve ici. Et vous voyez, ça fait vraiment un fond bien plat. Et le sac, voilà, il tient debout. Vous avez votre tricot. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'aime bien. Je trouve ça pratique. Plus qu'un pochon ou qu'un tote bag, en fait. Parce que le sac, il est debout. Il y a votre projet dedans. Et je trouve ça trop pratique. Et là, vous avez quatre grandes poches. Alors, moi, là, je mets souvent une petite boîte avec des marqueurs. D'ailleurs, ça rentre. Hop. Oui, j'ai mis ma petite boîte dedans. On peut tout mettre dans ses poches. C'est vraiment bien pratique. Donc voilà le premier sac que j'ai fini tout à l'heure. Et le deuxième. Pareil, j'ai plus qu'à faire la petite surpiqûre là sur le dessous de la bande de coulisses. Et puis à mettre le cordon. Sinon, il est fini. Alors celui-là, il est un tout petit peu plus travaillé. Que l'autre aussi, hein. C'était du boulot pareil. J'ai juste assemblé des tissus là pour la face avant que je vous montre bien. Donc voilà, il y a du dashwood, il y a du lin, il y a du liège doré pailleté. Ça, c'est donc le tissu Atelier Brunette. Ici, pareil,
J'ai mélangé les matières. Là, j'ai mis un peu de double gaz à dentelle pour passer le cordon. Et j'ai retrouvé, alors il faut que j'en refasse, j'ai retrouvé une de mes étiquettes Nana et chocolat. J'en faisais faire tout le temps plein avant, et c'est vrai que là, faudrait que j'en refasse parce que, bon, bah, au moins, si un jour vous m'achetez un sac, vous saurez toujours d'où il vient. Voilà, ces petites étiquettes comme ça avec mon logo. Et ouais, il faut que j'en refasse. Donc, celui-là, c'est le modèle L, et à l'intérieur, vous avez 6 grandes poches avec donc le tissu qui est bien doux, bien rigide là. Et l'intérieur, j'ai mis des étoiles et des petits arcs-en-ciel. Tout est dans les tons beige, marron. Voilà quoi, c'est l'automne. Donc, il m'en reste. J'en ai déjà fait 2 autres que je vous ai pas montré. Il faut quand même un peu de surprise. Là, j'ai fait ces deux-là, j'en ai déjà préparé d'autres. Là, je suis sur les bouillottes, j'ai bien avancé. Donc, bah, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller continuer mes bouillottes. Peut-être me réchauffer un thé. Je vais aller voir si mon grand loulou, ça va quand même. Et puis, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'appeler le médecin de garde. Et puis, donc cette vidéo sera postée demain dimanche. Donc, je vous souhaite un beau début de semaine. Pour la semaine prochaine, et puis la prochaine sera lundi soir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ah non, avant de partir, j'ai oublié, j'avais une question. On m'a demandé, alors je crois pas que j'ai répondu la dernière fois. On m'avait demandé ce que j'utilisais. Je sais plus si j'ai répondu. Je suis désolée si je fais un doublon, mais j'ai l'impression que j'ai pas répondu. Et on me demandait si j'utilisais un mousseur à lait pour faire la mousse de mon thé matcha. Est-ce que j'ai répondu? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, oui, c'est un mousseur à lait, mais pas ceux qui ont la forme de batteur électrique, la grande tige avec le fouet au bout. Moi, c'est comme une petite carafe en inox avec le mousseur au fond. Et en fait, j'avais acheté ça, mais il y a très longtemps, quand j'avais une machine Nespresso. Sur le site Nespresso en fait. Parce que j'avais eu une réduction. Et du coup, c'est une petite tasse en inox, enfin une petite carafe en inox qu'on pose sur un socle et qui est électrique. Et donc, c'est juste pour faire mousser le lait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, je vous souhaite un bon dimanche soir et puis un bon début de semaine. À demain. Plein de bisous.